Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent cet après-midi, donc Manuel Valls va annoncer aux partenaires sociaux le texte revu et corrigé de la loi travail pour trouver un compromis si possible avec les syndicats. Il pourrait donc y avoir une taxation des CDD laissée à l'appréciation des partenaires sociaux. Mais oui, effectivement Fabienne, le gouvernement pourrait proposer cette taxation des CDD aux partenaires sociaux puisque c'est eux qui ont la main sur ce sujet dans le cadre de la négociation de la convention unédique qui se tient jusqu'au mois de juin, une mesure très politique donc pour envoyer un signal aux jeunes. Intuitif et en première appréciation, taxer le CDD, les abus de CDD, peut avoir l'apparence de l'évidence du bon sens. Puisque certains en usent et en abusent, eh bien taxons les employeurs pour les contraindre à proposer des CDI plus protecteurs et donc moins chers pour l'entreprise. Seulement, en économie, il faut parfois se méfier des fausses évidences. Les faits, les réalités, les relations de cause à effet sont parfois plus complexes. D'abord, ça tombe bien, la taxation des CDD, on l'a déjà essayé. Donc regardons ce qui s'est passé. Eh bien en 2014, quand les partenaires sociaux rele avaient relevé la part patronale des contributions au chômage sur les contrats courts de moins de trois mois, eh bien, résultat inattendu, les CDD ont, ont augmenté de 2 points et le taux de chômage des jeunes actifs a lui aussi continué à augmenter. Mais sauf que l'opposition, vous la connaissez, Vincent, les syndicats affirment qu'il y a trop de dérogations en fait pour que le dispositif fasse vraiment ses preuves. Alors, oui, il y a effectivement certaines dérogations, Fabienne notamment pour l'intérim, mais dans les faits, ça ne change pas grand chose. Pour comprendre, regardons ce qui se passe dans la fonction publique. Vous savez sans doute que la dans la fonction publique, donc l'État emploie. Est l'un des plus gros contributeurs de contrats courts et notamment de contrats d'un mois. Les trois quarts de ce qu'on appelle les contractuels, il y en a près d'un million en France, sont en CDD et ils peuvent cumuler ces CDD pendant six ans. Alors, oui, ces contrats-là ne sont pas taxés parce que c'est le contribuable qui paierait la différence et ça n'aurait pas de sens. Et pour embaucher tout le monde dans la fonction publique ferait exploser les finances publiques et là encore, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et ce raisonnement-là vaut tout autant pour le secteur privé. Et cela illustre la situation baroque de notre. Marché du travail. D'un côté, des statuts ultra protecteurs et bétonnés, fonction publique ou CDI, et de l'autre, une hyper flexibilité déployée à outrance jusqu'au maintien dans la précarité. La rigidité des uns fabrique la précarité des autres. Donc, Vincent, si on vous suit, taxer les CDD, c'est contre-productif. Ben c'est ce que montre l'expérimentation. Et pour une autre raison, Fabienne, l'emploi, on le sait, vient d'abord de la masse des petites et moyennes entreprises, bien plus que des grands groupes. Un petit patron utilise d'abord les CDD pour les variations de son carnet de commandes, un congé maladie, un congé de maternité, etc. C'est un outil pour lui de flexibilité dans une situation où il ne peut objectivement pas embaucher en CDI un salarié supplémentaire. Taxer ce CDD ne va pas résoudre son problème, bien au contraire, ni l'inciter le moins du monde à proposer un CDI. On le comprend bien. Voilà donc une mesure qui a l'apparence du bon sens, mais qui risque dans les faits de renforcer la précarité et même de se retourner contre les jeunes qui auront plus de mal encore à intégrer le marché de l'emploi. Si en politique tout est possible, en économie c'est parfois un peu plus compliqué compliqué.